Donc voici le biberon de la marque Living World avec le support que j'ai acheté sur Zooplus. J'en avais parlé dans la dernière vidéo du DIY de comment installer son hamster. Donc j'aime beaucoup ce support parce qu'il est vraiment lourd, il risque pas du tout de basculer. Par contre bon, en bois il va falloir le trouver un moyen pour le nettoyer quand même sur la base parce que Q-Tip est un petit peu sali. Donc la marque Living World j'aime beaucoup avec le biberon en verre. Donc le tout je l'ai trouvé sur Zooplus parce que le tube à essai que j'avais utilisé dans la dernière vidéo, les ventouses ne tenaient absolument pas, donc c'était une galère, il fallait que je bricole quelque chose pendant quelques temps, mais c'était un enfer. Donc au moins avec ça dans les aquariums on est tranquille. L'ensemble coûte assez cher parce que le support coûte 11€ et le biberon coûte à peu près 5€. Mais franchement je trouve quand même quand on prend son argent, au moins on est tranquille pendant longtemps avec ça. Donc ensuite l'autre jour je suis allée chez Animalis et je lui ai trouvé cet ensemble pour pouvoir grimper. Donc l'ensemble de petite échelle avec ce truc là, c'est pouvoir ça se démonte. Je sais pas si ça va le bouger. C'est un pic pour pouvoir planter des fruits dessus. Mais bon, vu la taille, si je mets des fruits là-dessus, ils vont être énormes par rapport à Q-Tip. J'aurais peur qu'ils soient malades. Donc je ne l'utilise pas. Après, vous avez une passerelle et une espèce de cuvette où moi je lui mets un peu de graines pour qu'il puisse aller dedans. Sinon, il ne trouve pas trop d'intérêt. Et une petite échelle pour redescendre. Donc je trouve bien parce que, comme les aquariums, il n'y a pas d'étage, c'est assez plat. Je voulais lui trouver un truc pour qu'il ait une petite raison de grimper. Donc ensuite, sur l'arrière, vous avez la roue que j'ai pu remettre en fonctionnement. Parce que j'avais dû la démonter pour m'en servir comme support de biberon. Mais là j'ai pu la remonter, mais Q-Tip aime pas plus que ça. Donc toujours sa petite cabane qu'il utilise toujours. Il dort toujours en bas, il va un peu en haut par moment. Donc celle-là pareil, je l'avais trouvée sur Zooplus. Vous avez une gamelle pour les reptiles que mon frère avait eu depuis des années pour ses reptiles. Que j'ai récupéré pour faire un ensemble très homogène au niveau couleur naturelle. Sa baignoire d'oiseau qui lui sert de bain avec du sable à chinchilla pour toujours être propre. Donc toujours les rouleaux de papier toilette que j'ai disposés un peu partout dans la cage. Donc je l'ai bien se cacher dedans, comme ça c'est naturel, il n'y a pas de problème. Pour le nid, je lui fournis du papier toilette, mais surtout naturel, au moins tout du moins sans produits chimiques et non parfumés pour pas lui abîmer les bronches. Donc voilà, et sur le fond, je lui mets de la rafle de maïs. Donc pour ces petites patounes qui sont toutes poilues, il ne se fait absolument pas mal dessus. Il a plusieurs surfaces qui restent en dehors de la rafle de maïs s'il a besoin. Dans son nid, comme il y a le papier toilette plus une couche de litière de chanvre, il ne s'abîme absolument pas les pattes, donc il n'y a pas de problème pour lui. Ça absorbe vraiment les odeurs et je trouve ça beaucoup plus joli que la litière de chanvre. Donc voilà pour le nouvel aménagement de l'habitat de Q-Tip, qui est franchement idéal pour un Roborovski. Par contre je sais pas encore si ça va être idéal pour d'autres animaux parce que j'ai peur qu'avec la hauteur du support de biberon qu'il puisse réussir à sauter par dessus. Donc il faut que je trouve un système pour mettre une grille sur le dessus pour protéger, et pareil si jamais je veux prendre un chat qu'il ne puisse pas aller à l'intérieur pour pouvoir prendre le dessert. Donc voilà, j'espère que le nouvel aménagement vous plaît. J'ai fait au mieux pour Q-Tip. Et je suis vraiment satisfaite, même si j'aurais voulu prendre plus d'accessoires, mais là je suis blindée niveau place. Mais ce qui est embêtant comme avec les Roborovski, c'est qu'ils sont qu'ils sont pas très actifs, il est très timide, il se cache souvent. Donc après lui je pense que je reprendrai soit un hamster plus gros ou je reprendrai des souris qu'on verra beaucoup plus actives. Donc vous avez la chance de pouvoir le voir au début de la vidéo, mais je pense que là il va pas vouloir ressortir. Et j'aime pas l'idée de le déranger s'il ne veut pas sortir de son plein gré. Donc, vous voyez peut-être bouger un peu, donc là. On zoome un peu sur l'habitat de Q-Tip, donc on voit peut-être un petit peu remuer. Sûrement en train de faire sa toilette. Donc voilà pour cette petite vidéo rapide, comme j'en ferai de temps en temps pour combler le dimanche. Petite vidéo soit de Q-Tip ou soit des loulous, des petites vidéos toutes basiques, juste histoire de partager des petits moments avec eux. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine vidéo, surtout. J'espère que vous allez vous abonner, que vous allez aimer cette vidéo, qu'elle vous plaira. Et surtout, prenez grand soin de vous-même. Et à bientôt. Bye bye.